Elle est votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama. C'est Olivier Girard. Bonjour. Bonjour. Président d'Accenture pour la France. Vous la sentez comment, cette reprise? Accenture, c'est présent partout dans le monde. La reprise économique en France, en Europe, dans le monde. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, vous qui avez tant... Combien de clients dans le monde? Alors, plus de... on travaille pour les 2000 plus grands clients du monde. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? La reprise est très forte. On a de quoi être optimiste, oui, parce qu'il y a ce variant Delta qui commence à tempérer un petit peu. Non, on a tout à fait de quoi être optimiste. La reprise est très forte. Elle est forte en France. Hein. On n'a pas arrêté de corriger à la hausse les indices de progression du PNB, du PIB récemment. Elle est forte en Europe. Elle est encore plus forte aux États-Unis. Et en Asie, ce qui peut créer un petit point de vigilance pour l'Europe, parce qu'on qualifie, en particulier dans l'étude qu'on vient de publier, qu'il pourrait y avoir un retard de 6 mois entre le retour au niveau précédent à la crise, le retour au niveau de croissance et de profitabilité des entreprises. 6 mois de retard en France par rapport à ? En Europe, par rapport aux entreprises américaines et asiatiques sur les niveaux de profitabilité et de croissance. Voilà. Donc un point de vigilance. Voilà. Et après un an et demi de crise sanitaire, encore une fois, il y a l'euphorie de la réouverture, de la fin des restrictions pour partie des libertés. Dans quel état d'esprit sont les chefs d'entreprise, les entreprises? Dans quel état, pas seulement état d'esprit, état aussi aujourd'hui sont, mais aussi les équipes, les managers, les équipes, la santé financière, vous, ce sont vos clients, qu'est-ce que vous voyez? Il y a un paradoxe parce que la reprise est vraiment là, comme on vient de le dire. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Je trouve que la sortie de crise Covid, quand vous la comparez à la sortie de crise 2008-2009, ça n'a rien à voir. On a les plans de relance des États, les investissements des entreprises. Ils ont pris des décisions, même à une époque où le niveau de certitude sur l'arrivée du vaccin était encore un peu flou. Entre les deux confinements en France, moi, dès l'automne, on a bien senti que les entreprises voulaient se transformer, allaient mettre les capex pour se transformer, en particulier sur le digital et sur le développement durable. Donc, il y a d'un côté, et mettre les moyens. Et en particulier, donc, ce côté-là est très positif. Évidemment. Qu'est-ce qu'il a un peu moins? Je ne cherche pas du négatif spécialement. Le moral des collaborateurs. Il y avait une lassitude. Voilà, il y avait... C'était très long. On a été amputé de notre sens social pendant longtemps et ça a pesé sur le moral des équipes. C'est un point d'attention constant. Alors maintenant, l'été est là et puis le déconfinement est là, donc les choses vont mieux, mais c'était long. Ouais. Et le retour progressif au bureau, pas seulement chez Accenture, évidemment. Comment ça se passe? Très bien. Il y a une très forte envie de revenir au bureau. Les gens ont envie de ce monde un peu hybride et de retrouver ce sens social, la machine à café, les collaborateurs, innover ensemble, refaire le monde ensemble. Ouais. Après, est-ce que les entreprises, pour le coup, on s'est souvent posé la question, je ne sais pas si ça a été tranché de manière académique, est-ce qu'elles ont gagné en productivité au final pendant cette crise? Parce que il y a eu cette accélération formidable de leur transformation digitale. Je ne sais plus, c'est le patron McKinsey qui parlait d'un gain de 7 ans, ce qui paraît vraiment colossal. Il y a aussi pour les collaborateurs moins de perte de temps dans les transports tous les jours, encore une fois, du télétravail. Est-ce que tout ça a permis d'aboutir à plus on a de découvert productivité? On a découvert des choses pendant le télétravail. Même si nous, on avait des accords télétravail depuis 10 ans en France, donc on était familier de ces techniques-là, on a quand même découvert des choses parce que l'ampleur était inédite. Donc oui, il y a eu des gains de productivité, il y a eu des gains de qualité de vie parce que la raison pour laquelle on avait ces accords depuis 10 ans, c'était pour redonner, comme vous le dites, 2 à 3 heures par jour à nos collaborateurs dans leur vie à eux. On a découvert qu'on savait faire des comités de crise, de l'innovation, des projets internationaux, alors qu'à l'époque, on ne faisait pas toujours complètement ça. Donc c'est une bonne nouvelle sous l'angle de la productivité. Maintenant, il faut trouver un équilibre. Il faut retrouver un équilibre dans l'entreprise pour pouvoir... Et la nouvelle norme de télétravail, c'est quoi alors? Parce qu'on se dirige manifestement vers 2 jours en moyenne de télétravail. Ça, c'est une étape du déconfinement. Nous, on est en train d'écrire quelque chose d'un peu plus flexible pour laisser la liberté aux gens de choisir complètement en fonction du projet, de l'activité qu'ils font. Et chez vos clients, au-delà de la situation. Il y aura toutes les versions. J'ai vu des entreprises qui se sont prononcées assez tôt pour maximiser le travail, d'autres qui sont dans des modèles plus équilibrés. Donc, il n'y a pas encore de normes aujourd'hui, ni de tendances claires. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on sera dans un modèle hybride. Comment on préserve, encore une fois, cette culture d'entreprise? C'est un vrai sujet avec, malgré tout, plus de télétravail, plus de distanciel. Il faudra continuer à ce qu'il y a, comme on voit dans les écrans, un minimum de rencontres, interactions nécessaires entre les collaborateurs. C'est pour ça que le modèle hybride, c'est le bon modèle. C'est-à-dire que ça va déplacer un peu la saisonnalité de la semaine. Les gens reviennent beaucoup. Absolument. Et les gens reviennent au bureau des jours différents. Donc, ce sera un peu différent qu'avant. Avant, dans le monde des services professionnels, c'était beaucoup le vendredi qui était le jour où tout le monde se retrouvait. Aujourd'hui, c'est plus le mardi, le mercredi, le jeudi, le lundi et le vendredi étant des jours plus télétravaillés. Ce qu'on essaye de faire, c'est de créer l'autre niveau de flexibilité. Le Covid a forcé le télétravail, c'est-à-dire la question du « où est-ce qu'on travaille ?». Je pense qu'il faut aussi regarder la question du « quand on travaille » pour être complet dans un modèle plus flexible et plus large.
Les entreprises qui ont aussi, pour le coup, fait des économies, il y a ça aussi. On en parle moins, mais la crise, ça a été l'occasion de comprimer aussi, de se rendre compte, ou peut-être se faire aussi le ménage dans certains postes. On parlait des jobs qui semblaient moins pertinents, moins évidents. Il y a aussi peut-être un versant moins reluisant aussi, où il faut en parler dans cette crise. Il a fallu se réinventer, il a fallu être flexible, il fallait être agile, mais aussi couper les coûts, aussi se dire ce job-là, peut-être qu'il n'est pas si utile que ça. Je pense que ce qu'on a appris, c'est ce que vous venez de dire, c'est les gains de productivité avec le télétravail. Qu'on ne mesure pas d'ailleurs. On n'a pas un chiffre en disant en global. Si, sur des activités, on a déjà des chiffres. Le gain, il est sur le voyage. C'est évident qu'on ne reviendra pas sur une position similaire sur le voyage d'affaires à celle qu'on avait auparavant. Ouais. Et donc là, il y a des gains qui sont intéressants parce que ça permet de réinvestir. Ouais. Les gains, ça permet de réinvestir. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pas tout, sinon c'est plus un gain. Non, je pense que les époques de crise, c'est les époques où il faut investir parce que c'est les époques où on peut gagner des parts de marché. Ils entendent ça, les clients, franchement. Bien sûr. En période de crise, on pense évidemment à réduire les coûts. Où est-ce qu'on a tapé sinon ? Moi, c'est là que je trouve qu'il y a un écart entre 2008 et la sortie de crise aujourd'hui. 2008, c'était beaucoup, comme vous dites, c'est-à-dire on coupait les coûts parce qu'il fallait survivre, etc. Donc les plans étaient assez durs. On était dans un modèle en U. Hein, les économistes parlaient d'un modèle en U. Je pense qu'on est dans un modèle en V ici, avec une deuxième barre du V plus agressive, où tous mes clients, moi, ce que je constate, c'est qu'ils réinvestissent massivement sur le digital, sur le développement durable, sans commune mesure avec ce qu'ils faisaient avant. Les chiffres, c'est 88% des dirigeants sont persuadés maintenant aujourd'hui et ont des plans pour investir dans ces deux domaines-là. Avant la crise, c'était 58%. Donc il y a quand même eu un vrai passage à l'échelle. Après, sur Olivier Gérard, les voyages pendant la crise, on n'avait pas le choix, il fallait couper. Enfin, voilà. Mais maintenant, est-ce qu'il y a d'autres postes comme les voyages qui vont être coupés de manière plus durable, encore une fois, malgré la sortie de crise ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'au final, c'était peut-être pas une bonne dépense. Tout à fait. Donc, au-delà du transport, enfin des voyages d'affaires. Il faut qu'il y en ait aussi, je ne sais plus quel patron me disait, mais il faudra quand même qu'on continue à faire des voyages d'affaires, peut-être moins et mieux d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. Donc ce sera moins et mieux. Non, l'autre question, c'est l'immobilier de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on voit bien. C'est ça, je l'avais en tête celle-là, effectivement. On voit bien que le télétravail, c'est sympa et tout, on en garde, mais c'est aussi une façon de faire des économies sur le foncier. Enfin, mais sur je pense qu'il faut, là aussi, il faut observer, attendre et tester et apprendre parce que ce qui va changer, c'est la façon dont on travaille. C'est-à-dire l'organisation de l'immobilier d'entreprise. On ne vient plus au bureau pour passer 7 heures par jour dans 7 mètres carrés à passer des coups de fil. Ça, on peut le faire chez soi. En revanche, on va venir au bureau pour faire de l'innovation dans des espaces plus grands, plus larges et un peu différents. Au final, il faudra moins de mètres carrés de bureau ou pas ? Non, justement, je pense qu'il faudra une organisation différente des mètres carrés. Mais c'est comme l'occasion quand même pour les boîtes aussi d'alléger un petit peu cette ligne-là. Oui, mais dans un modèle hybride, si à un moment donné, vous voulez que la majorité de vos collaborateurs se retrouvent, il faut bien prévoir des capacités pour les accueillir. Donc je pense pour l'instant, c'est davantage une organisation du travail différente que des gains nets en mètres carrés. Est-ce que les dirigeants peuvent de nouveau, dans ce que vous voyez, se projeter ou est-ce qu'ils naviguent encore à vieux ? Encore une fois, il y a la campagne de vaccination. Il y a un an, en première sortie de crise, on pensait que ça y est, c'était fini. Voilà, elle est différente puisqu'encore une fois, il y a cette campagne de vaccination qui avance bien, mais on voit ce qui se passe en Israël, qui sont largement plus avancés que nous, le variant Delta, de nouveau des cas. Voilà, est-ce qu'il y a toujours cette prudence qui est chevillée au corps ou Je pense que ce qui a changé, c'est l'horizon avec lequel on regarde les choses. C'est-à-dire que l'horizon s'est rapproché, le temps s'est mis sur deux horizons, il y a un temps très long, tout le monde formule et incarne une raison d'être, ce qui est une boussole stratégique à moyen terme pour tous les collaborateurs et l'écosystème d'une entreprise, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, ça c'est le sens et ça c'est le long terme. Et après il y a un horizon. Il faut voir dans quelle mesure ça vous engage, la raison d'être. C'est un autre sujet, mais c'est une boussole stratégique quand même pour les collaborateurs. Et il y a un temps qui s'est raccourci, vous avez raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir des capacités pour prévoir à un mois, à deux mois, à trois mois, à six mois, de façon beaucoup plus fine qu'avant. Exemple chez moi, l'année dernière, j'ai recruté quelques centaines de personnes, ce qui était déjà pas mal dans une période comme celle du Covid. Ouais. L'année qui vient, je vais recruter plusieurs milliers de collaborateurs. Ça, il faut que je l'anticipe. J'ai besoin des équipes ressources humaines, des équipes de recrutement, de faire des campagnes. Et donc, j'ai besoin de cette capacité de prévision plus fine à plus court terme. Ouais. D'ailleurs, vous sortez un rapport sur les grandes tendances qui semblent se dessiner dans le monde du business de demain. Dans le rapport mondial, mais dont vous parlez ici pour le coup en exclusivité, et merci. Et c'est le lien, et la transition est toute faite, apprendre du futur et non du passé. Ça revient à ça ? Exactement. C'est-à-dire en fait, mieux anticiper les évolutions futures, mais c'est plus facile dans à un dire temps raccourci qu'à faire. Ben, il faut utiliser la data, il faut regarder tout un tas d'indicateurs qui permettent de dire que je peux prendre des positions. Un meilleur pilotage sur le trimestre. Mais c'est-à-dire qu'on est dans la dictature de l'urgence et des 3 mois, des 6 mois dont on voudrait s'extraire. C'est pour ça qu'il faut les deux horizons.
Ouais, c'est pour ça qu'il faut les deux horizons. Non, le temps s'est accéléré, c'est vrai, mais il faut le temps long et il faut toujours le temps court. Le temps long, c'est allongé, le temps court, c'est raccourci. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours très facile, mais je pense qu'on est devant cette c'est effectivement un des enseignements de cette étude, que notre rapport au temps qui change. Bon, le rapport au temps, décentraliser les prises de décision, on le voit bien, ça c'est un truc qui aura changé a priori entre avant et après la crise, moins de verticalité, ou pas seulement ça, c'est plus d'agilité, ça on a compris, mais moins de verticalité aussi Il y a deux choses, moi je mets ça dans le thème travailler différemment. Il y a effectivement la décentralisation, on l'a vu, il y a plein de groupes du CAC 40 qui se sont réorganisés dans des modèles géographiques, le Local First de Danone, Michelin, Saint-Gobain, qui sont des groupes qui se sont remis dans des modèles géographiques. Nous aussi, on s'est remis dans un modèle géographique pour coller à un marché. Que métier. Exactement, plus que ligne de service mondiale, on s'est remis dans des modèles où on voulait coller à un besoin, des ressources, un marché plus fragmenté, être plus près de ça. Et l'objectif, c'est d'optimiser une part de marché dans un endroit donné. C'est ça qui est devenu l'axe fort. L'autre axe, c'est travailler différemment. On a parlé du télétravail, mais il y a aussi la collaboration qui, à mon avis, est un des grands changements à venir dans les 10 prochaines années. On devra collaborer tous plus les uns les autres. Les problèmes auxquels on fait face sont tellement sophistiqués qu'il faudra ajouter les capacités des R&D des uns des autres. Moi, je suis frappé par voir aujourd'hui que les fusions et acquisitions auxquelles on assiste sont davantage des fusions de temps en temps de R&D que des fusions de compléments de géographie ou de portefeuille client. Parce que pour résister, par exemple, au budget de R&D des GAFA, qui se compte en dizaines de milliards, pour faire une voiture connectée, pour faire un nouvel avion, pour faire l'usine du futur, il faut collaborer beaucoup plus qu'on ne l'a fait avant. Collaborer entre compétiteurs, à l'intérieur de la même chaîne de valeur, dans les écosystèmes, ça c'est un des enjeux clés. Donc il y a le télétravail, ouais, et il y a la collaboration entre entreprises. Faire collaborer les compétiteurs, c'est quand même pas quelque chose de facile. Il y a des pays qui le font très bien, c'est un modèle que l'Allemagne utilise souvent, c'est-à-dire créer des référentiels communs à l'intérieur d'une filière industrielle, partager des données ensemble, ouais, créer des joint ventures pour investir sur de l'innovation ensemble. Ça c'est un des grands enjeux de demain aussi. Ouais. Olivier Girard, vous parliez de formaliser sa raison d'être pour qu'elle profite à tous. Évidemment, on est tous d'accord sur le principe. Mais comment faire pour que ça ne reste pas juste de bonnes intentions, que ça vous engage, qu'il y ait un suivi, des moyens et pas seulement, pas un vœu pieux, mais voilà. Il faut l'incarner au quotidien. Pas seulement de la com, comme on dit. Non, c'est formaliser et incarner. Vous avez raison, c'est formaliser et incarner. Si je prends Accenture comme exemple, notre raison d'être, c'est allier la promesse de la technologie à l'ingéniosité humaine. Si je prends un exemple très concret qui est celui de l'intelligence artificielle, qui est un mot qui, dès qu'on le prononce, provoque tout un tas de réactions. On travaille très spécifiquement à des guides, à des façons de programmer, des façons d'entretenir des algorithmes d'intelligence artificielle pour pas qu'il y ait de biais. Voilà, ça, c'est très concret. Et c'est des documents qu'on donne à nos développeurs, à nos data scientists, pour qu'on puisse développer des intelligences artificielles qui soient sans biais. Ouais. Dans ces grandes tendances, encore une fois, qui semblent dessiner le monde du business de demain, Olivier Girard, il y a aussi, et c'est un des gros enseignements de cette crise, c'est s'assurer d'une capacité à pouvoir s'approvisionner. On voit encore aujourd'hui les pénuries dans bon nombre de secteurs, des ruptures d'approvisionnement qui ont peut-être un peu traumatisé, pour le coup, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'entreprises. Il y a un double défi qui est très complexe, là, qui est un triple défi même, qui est de rester dans un modèle économique performant, qui est de décarboner les supply chains et de réorganiser les supply chains pour arriver à ce que vous venez de dire, qui est de respecter des niveaux de service. C'est-à-dire, toutes les industries se posent aussi la question aujourd'hui, où est-ce que je produis, où est-ce que je stocke? Et avec la question dont on parlait avant, c'est-à-dire la réallocation de ça de façon plus dynamique qu'avant. Et donc, allier des modèles locaux et des modèles locaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter d'avoir un seul fournisseur parce qu'automatiquement, on est plus gros. Changer le rapport de force avec ses fournisseurs, diversifier plus dans les zones géographiques. Oui. Je ne sais pas, c'est tout ça? Oui, c'est tout ça. C'est-à-dire, je veux reproduire certaines choses ici. Il y a une prise de conscience, j'imagine, chez beaucoup d'acteurs. Pardon ? Il y a une prise de conscience chez beaucoup d'acteurs, oui, de ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Oui, puis, avec des délais, j'avais le patron de Trigano, les camping-cars, leader européen quand même, avec 60 000 véhicules vendus, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires. Il m'a dit, mais aujourd'hui, il était là hier avant-hier, ceux qui viennent acheter aujourd'hui un camping-car, c'est 9 mois d'attente. Donc voilà. Donc, et parce que dans la dernière année, il y a eu des amplitudes de variations de chiffre d'affaires, plus 20, plus 50, plus 100, moins 20, moins 50, moins 100 en fonction des catégories de produits qu'un stock local dans l'ancien modèle ne peut pas absorber. C'est pour ça qu'il faut produire ou faire des supply chains différentes pour être capable de tenir cette variabilité. Oui, mais conserver des marges équivalentes, parce que ça, on se dit que quand on... Voilà, avoir une source d'approvisionnement plus proche de soi, peut-être ça veut dire aussi plus cher et donc pression sur les marges. C'est une très bonne question. Ça veut dire que ce qu'on doit produire ici doit être à valeur ajoutée. Ah, on y revient.
le maître mot ici, c'est effectivement de ne pas relocaliser des sujets sur lesquels d'autres pays seront toujours plus compétitifs et sur lesquels il n'y aura pas de valeur ajoutée perçue par le consommateur. On se bat pas sur quoi alors ? Sur quoi on se bat et sur quoi on ne se bat pas ? Par exemple, faire des vélos électriques en France, très pointus, ça c'est une bonne idée, certains l'ont fait. Voilà, refaire des vaccins dans l'industrie pharmaceutique très pointue, ça a un sens ici aussi. Reproduire des médicaments très courants, peut-être moins, parce que ça, la compétitivité d'autres pays sera plus intéressante. On va finir là-dessus, Olivier Girard. Est-ce que les entreprises disposent de toutes les ressources nécessaires, justement, pour réussir ces défis, ces changements ? Alors, je pense que les deux transformations qu'elles doivent réussir... Alors, c'est moyens financiers, moyens humains. C'est bien ça. C'est bien la transformation digitale et la transformation sur le développement, la décarbonation de l'économie. C'est ça, les deux grands sujets. Les freins, aujourd'hui, vous avez raison, les freins, c'est l'accès aux talents. C'est traiter en parallèle... Pas de pénurie chez vous, pas de pénurie de talents Ce sera de plus en plus difficile. On parle de pénurie souvent. On a recruté 400 personnes le mois dernier chez Accenture. En France, c'est le record. On n'avait jamais fait ça. C'est de plus en plus difficile sur presque 8000 collaborateurs en France. C'est considérable. Et on doit accélérer dans les prochaines années. Mais on voit bien qu'on est à la limite. Donc oui, il y aura une guerre des talents dans la tech dans les 2-3 prochaines années qui sera très intense. Donc comment est-ce qu'on fait pour disposer d'un bassin plus large de compétences sur une partie des sujets qui sont des nouveaux métiers en plus. Donc il y a un sujet académique et puis il y a nous, on doit se prendre en main aussi et former nos collaborateurs. Donc il y a la réglementation. Les freins, c'est la réglementation, c'est l'accès aux talents et c'est, je dirais, gérer en parallèle de tout ça les sujets sur la cybersécurité. Et puis la décarbonation aussi, c'est un sujet extraordinairement complexe parce que c'est transverse en entreprise. Et là, il faut qu'on passe de ce qu'on appelle l'entreprise numérique à l'entreprise scientifique. La science doit revenir dans l'entreprise parce que la décarbonation, c'est tellement complexe qu'on aura besoin à nouveau de R&D très forte sur ces sujets-là. Donc il faut combiner tout ça, des sacrés défis. Bon, dans les autres défis, enfin, c'est pas un défi pour le coup, mais je me suis dit, tiens, est-ce que selon vous, je ne sais pas si c'est votre domaine de compétence, mais est-ce que la crise a changé un peu le regard qu'ont les Français ou les gens d'ailleurs sur l'entreprise, sur les entreprises, sur leur place, leur rôle à tenir ? Est-ce que les Français ont une meilleure image au sortir de cette crise de l'entreprise, parce qu'elle a fait, en quoi elle a aidé, en quoi elle a... J'en ai plutôt le sentiment, oui, parce que moi, je trouve que les entreprises françaises ont montré plutôt une très bonne résilience pendant cette crise. Bon, avec un État comme français qui a le plan de relance qui était tout à fait derrière. Non, mais les mesures de chômage partiel... Oui, tout à fait. Mais donc, il y a eu le couple privé-public a bien fonctionné. Je trouve qu'il y avait un certain niveau de confiance sur ça. Donc, je serais plutôt positif sur ça. Je pense que ça a progressé. Bon, et on termine vraiment là-dessus, parce que sinon, on va continuer. Juste parler de 400 collaborateurs là, sur le mois dernier. Beaucoup d'acquisitions, dis donc, chez Accenture, là, depuis... quelques mois. Donc, pour vous, la crise, c'est l'opportunité d'accélérer ? Oui, parce que tout s'accélère, on en a parlé avant. Donc, il faut disposer des capacités pour répondre aux défis de nos clients. La France est un pays prioritaire pour Accenture, pour deux raisons. Il y a en France... Il y a combien de pays prioritaires ? Ils sont tous prioritaires, non ? Il y en a 4 ou 5, mais la France en est un dans le monde. Et pourquoi ? Ce qui est intéressant, c'est pourquoi ? Parce que la moitié du CAC 40, ce sont des leaders mondiaux. Quand vous dites partout dans le monde que vous travaillez pour Airbus, pour L'Oréal, pour Total, eh bien tout le monde vous écoute. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il y a des talents en France. Il y a beaucoup de talents en France, il y a beaucoup d'entreprises de très grande qualité. Donc oui, j'ai des moyens intéressants pour développer. Il y a 4 pays prioritaires dans le monde, donc les États-Unis évidemment. Le Japon, l'Allemagne sont aussi des pays prioritaires. Et la France. Et la France, oui. Donc série d'acquisitions. Et donc sur un an, donc On va en boucler 7 dans un an, c'est 2000 collaborateurs en plus. Sur 8000 en tout ? Sur 8000, voilà, donc c'est considérable. Dans des métiers, sur les métiers de la santé, les métiers de la banque, les métiers du cloud, les métiers de la cybersécurité, sur les métiers de la data. Bon, merci d'avoir été avec nous. Merci Olivier à vous. Girard, donc, président d'Accenture pour la France, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Je vous sens positif, là. Il est très. Il est remontable, ok. Très. Allez, merci, bye. Merci.